Piatexte est une commune proche de Groyer, village tranquille, où le soleil compte les arcades de la place. Dans la maroquinerie serre, on en est à la quatrième génération. On a fait des semelles de chaussures, ma grand-mère a fait des semelles de chaussures, ensuite ma grand-mère est arrivée, on a fait un peu plus, des articles un peu plus finis, en portefeuille notamment. Et ma mère après, elle est arrivée aussi dans l'entreprise, donc elle ayant fait une formation maroquinière par l'école, est partie sur des produits de conception beaucoup plus qualitatives. L'entreprise s'est adaptée au fil des années. Ouvrière qualifiée, bureau d'études, réactivité maximum, dans un domaine très concurrentiel. Aujourd'hui, par l'intermédiaire des modélistes que nous avons, on recrée un produit et on est arrivé à faire la première ébauche. La première ébauche est reprise dans une toile quelconque ou une matière quelconque et on essaye de reproduire une photo ou un dessin par un modèle fini. Il faut savoir qu'en moyenne, on sort un produit tous les deux jours, il y a un nouveau produit qui sort. Rester dans la course, aller vite, récupérer des marchés, c'est l'obsession de Philippe. Il fait le lien entre l'entreprise et les mégissiers. Lui, il peaufine le travail. Tu vois, ça, c'est ça qui... Ça, c'est pas l'orange. Tu vois, l'orange, il fait trop tartiner. Par contre, le cyclamel, là, il fait vachement bien. C'est ça qu'il faut. Là, en petite maro, là, on peut faire des trucs, là. Ça correspond plus, si tu veux, à notre savoir-faire que ça. Dans ce secteur qui a vu ses entreprises et ses effectifs fondre en quelques années, seule la rapidité et la qualité permettent d'espérer préserver un savoir-faire. Ça, ce sont des produits qui vont être destinés normalement pour le marché japonais. Donc, connaissant l'exigence des Japonais, vous comprenez très bien qu'on est en termes de qualité haut de gamme. Il n'y a pas de solution miracle, ou plutôt si, elle est connue, bien au-delà de la tendance du moment. Si tout le monde arrivait à garder des marges saines, des marges standards, des marges un peu plus calibrées, eh bien peut-être que ça donnerait un peu plus d'activité à tout le monde, ça permettrait de vivre à beaucoup plus de gens. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on prêche. Aujourd'hui, bon, peut-être qu'on ne prêche pas la bonne parole. Vous achetez un sac chez nous, eh bien, on sait très bien que dans le temps, il va perdurer X années. S'il y a un problème en cours de vie de l'article, on peut le réparer, on peut l'arranger parce qu'on a tous les composants, on sait comment c'est fait. Demain, vous allez acheter un sac X ou Y chinois, eh bien, on vous dit, monsieur, votre sac ne vaut plus rien, on le jette, on en reprend un autre, on vous l'échange.